Sous le parapluie. Il pleut, il y a du monde et il fait froid. Dans les rues, un homme avance, certain que sa journée est gâchée. Pourtant, sous son parapluie, de jolies choses vont se passer. Sous le parapluie, de Catherine Bucquet et Marion Arbona, aux éditions Les 400 coups. Maudit soit ce temps gris. Maudit soit la pluie et cette foule qui le ralentit. Sous son parapluie, il avance à grandes enjambées. Sous son parapluie, il avance et n'en finit pas de grincher. Sur le manche, ses doigts sont glacés. Les trottoirs sont inondés et ses souliers détrempés. Foi de citadin, on n'a jamais connu pareil temps de chien. Le vent vient s'en mêler. Pour lutter, il doit marcher courbé. Mais c'est un vrai cauchemar! En plus d'être mouillé, il va être en retard! L'homme qui fulmine longe sans la voir une vitrine. C'est une pâtisserie, et sous l'auvent, un petit garçon attend. À l'abri de la pluie, tranquillement, il regarde ce qu'on propose aux passants. Sur des dentelles de papier, la crème déborde, les ganaches brillent. L'enfant a les yeux qui s'écarquillent. Tandis que le vent souffle en tempête, le petit garçon lit les étiquettes. Il mémorise les noms. Religieuse, opéra, macaron. Sur l'homme, une bourrasque fond soudain. Elle lui arrache le parapluie des mains. Poussé par le vent, l'objet roule aux pieds de l'enfant. Il le ramasse et le rend à celui qui le rejoint en courant. Un peu gêné, l'homme bafouille pour remercier. Il secoue son parapluie, son pantalon, machinalement suit le regard du petit garçon. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli !» murmure l'enfant, conquis. Un peu surpris, l'homme examine l'ensemble avec plus d'attention. Il faut reconnaître que les pâtisseries ont l'air plutôt réussies, que les couleurs se répondent avec harmonie. L'homme hésite un peu, confie au petit garçon son parapluie et entre dans la pâtisserie. Il en revient une tartelette à la main, rhubarbe, framboise et crumble au pralin. Les joues de l'enfant se colorent légèrement. Il prend d'un air gourmand le présent qu'on lui tend. L'homme le regarde en souriant. De gestes lents, l'enfant rabat la barquette, coupe la tartelette et lève vers l'homme la plus belle moitié, celle où les fruits n'ont pas coulé. Le temps semble arrêté. Il pleut sur la ville. Le ciel est bas, les rues fourmillent. Mais pour l'homme et l'enfant, en cet instant, rien de tout cela n'est important. Fin.